اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Que disaient ulama sur le fait de vendre de la nourriture pendant les journées de Ramadan, car la fille dira tu es née par des frères dans laquelle travaille mon mari n'ouvrira que le soir. Que disaient ulama sur le fait de vendre de la nourriture pendant les journées de Ramadan, car la fille dira tu. Après le Maghreb, pendant le Maghreb. Naam. Le problème, ce n'est pas de vendre ou ne pas vendre. La vente, Allah Azza wa Jal a dit qu'elle était licite. Allah Azza wa Jal a rendu la vente licite. Est-ce que c'est permis que vous vendiez? Est-ce que c'est permis? Naam. Justement, est-ce que c'est permis dans la loi, le pays où tu vis, est-ce que la loi te permet? Si la loi te permet, khlas, c'est permis. Est-ce que le pays où tu vis, est-ce que la loi te permet de vendre et ce n'est pas interdit? Si la loi te permet, tu peux vendre, ce n'est pas interdit. Maintenant, si quelqu'un est dans l'obligation, il n'a aucun travail, il risque de mourir, etc. Et si ces choses, c'est plus ou moins. Même en étant interdit, c'est plus ou moins. Mais si il a les moyens et il sait que c'est interdit, il vaut mieux qu'il ne le fasse pas. Pourquoi? Parce que il y a des lois qui interdisent cela. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.